Jamais. Ah, y'a les Hendek qui arrivent. On appelle les Hendek. Y'a les Hendek qui arrivent. Posé dans ma jungle every day. Bing 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 bing. Regarde nos fringues, c'est du vrai. Bing 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 bing. Bitches égale bitches. Bitches. Bouffons remballe bitches. Bon. Et yop les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour le tout premier épisode de... C'est quoi déjà? Non mais c'était meuf. Vas-y tiens. Vas-y, fais ta vidéo tout seul là. Bon, pour le tout premier épisode de notre première fois. Et cette fois-ci, le thème... On a toujours pas attaqué cette série de merde. Donc cette fois-ci, y'a pas cette fois-ci, c'est cette fois-là. Là maintenant là. Bref. Donc, l'épisode va parler tout simplement de la première fois qu'on s'est rencontrés. Je sais pas comment on va attaquer cette vidéo. Voilà. Avant de commencer, bien sûr, parce qu'on va, on va discuter ensemble, tout ça c'est le but, qu'il y ait une interaction. Sinon, on serait pas sur YouTube. Avant de commencer, tu vois, il y a un petit clic là, tu peux cliquer. T'es avec qui ça là? Attends, on va le faire avec toi. Attends, fais-le avec eux. Il y a un petit bouton s'abonner si tu connais pas la chaîne, si tu viens de découvrir. Bon. Prends pas peur, à la base je pense que c'est possible que t'aies peur. On est pas fou, t'inquiète. Après tu peux cliquer sur le bouton s'abonner. Et on sait jamais, tu vois. On sait jamais, peut-être qu'on sortira des vidéos qui vont te plaire. Tu vois, on sait pas. Bon, sachez, bon, de toute façon ils s'en bat les couilles hein. Je fais la vidéo toute seule, c'est pas grave. T'es en train de bouder. Ah putain. Tu m'as éclaté. Alors voilà, sachez que cette vidéo, si on vous la fait, c'est que c'est pas anodin, c'est que tout simplement on a décidé de faire un tout nouveau départ sur la chaîne et que pour les petits nouveaux qui savent pas comment est-ce qu'on s'est rencontrés et comment est-ce que je me suis retrouvée avec ce gros blaireau, et bah tout simplement aujourd'hui on a décidé de vous expliquer comment. Donc c'était il y a déjà 3 ans et 4 mois. Ça pue, j'ai pété. Putain, mais t'es vraiment un porc, hein! Non, mais sérieusement! Vas-y, continue. Bon, alors. T'es vraiment. Ah, bref. Donc voilà, sachez que c'était déjà il y a 3 ans et 4 mois, un peu plus de 4 mois, et. Enfin, qu'on est en couple. Et ça fait 3 ans et un peu plus qu'on se connaît. Donc, du coup, en fait, si vous voulez, on s'est rencontrés à l'anniversaire de mon ex, qui était à l'époque son meilleur ami, qui est d'ailleurs un très bon cul. Pourquoi? Je te prends pas. D'accord. Et donc voilà, donc du coup on s'est rencontré chez mon ex. Enfin on s'était vu mais sans plus quoi. Une soirée genre genre bonjour et puis c'est tout quoi. Hein, c'était malheureux quoi. Tu te faisais chier. Quoi? Mais parle. Oui bah attends c'est toi tu me dis on va faire une série sur la chaîne qui va s'appeler Duo Gaming. Non c'est pas ça. Non. Ah. Bah écoute, si la vidéo elle t'a plu, t'hésites pas à lâcher ton pouce bleu, tout ça, tu connais. Tu vois, tu descends un petit peu, tu peux le faire aussi avec ce qu'on appelle la souris. Attends, ça marche aussi. Après, sinon, pour lâcher un pouce bleu, tu peux aussi cliquer sur la tête à Vava. Mais ça, je pense, ça va plus mettre la vidéo en pause. Après, c'est ton problème. Excusez-moi pour cette petite interruption. Alors, je continue un petit peu l'histoire. Tout simplement, quand on s'est rencontrés, donc lors d'une soirée, voilà, en fait, elle était en couple avec mon meilleur ami, c'était ça. C'était le soir où je me suis mis en couple. Voilà. Avec, tu connais, mais c'était la toute première fois qu'on s'était vu, c'était il y a 4 ans, c'était il y a extrêmement longtemps, elle était moche, encore plus moche que maintenant. C'est, je sais, bâtard, c'est difficile à croire, mais c'est possible. On peut toujours faire mieux, comme arrête, on dit dans la vie. Tu non, mais je raconte l'histoire. Tu te calme. Je raconte l'histoire. Tu m'excuseras, mais je dis la vérité. Bah non, je dis seulement la vérité pour mes abonnés. Bon. Et ensuite, un beau jour, on a décidé de se revoir. Non, je rigole, c'est pas comme ça que ça s'est passé, frère. T'as cru que t'es comme ça, t'as cru que t'es beau, t'as cru que t'es trop beau, frère. Non, non, en vrai, mon ex-meilleur ami, parce que lui aussi, c'est mon ex-meilleur ami, tu vois, mais voilà, t'as compris, ex-meilleur ami, tu vois. Bref, et mon ex-meilleur ami m'a annoncé qu'il voulait la quitter. Donc, parce que, voilà, ça s'entendait plus parce que et tout, merde. Voilà. tu vois. Plus ça a été moche elle à l'époque. Mais ça, t'es vraiment un enculé. Je rigole. Hein. Non, en vrai, voilà, il m'a annoncé que qu'il voulait la quitter. Du coup, il voulait pas lui dire en face parce que c'était une espèce de grosse merde bien pourrite. Son ex. D'ailleurs, si tu passes par là, coucou. imagine en vrai. C'est la merde. Imagine en vrai. T'en baisses des merdes, moi. Bref. Donc, il m'a annoncé qu'il voulait la quitter. Tout simplement, et comme il voulait pas lui annoncer lui-même, parce tout qu'il ça. Il avait passé des grosses. Coronesses. Coronesses. Voilà, tout simplement,
Il m'a dit de s'en charger à sa place, donc comme moi j'avais quelques contacts. Pas contacts, mais on se connaissait de vue, on va dire. De vue, on se captait. On se captait sur Facebook. Enfin, elle a liké mes photos et tout, tu connais. Vrai ou pas vrai? Vrai. Aïe. Bref, avec ta lime, ta tête. Tu sais que ça fait mal. Mais oui, je sais que ça fait mal, c'était le but. Bref, et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Bah, je suis allé lui dire tout ça, machin ou quoi. Tu m'as envoyé un texto. Oui. Déjà, à la base, t'avais même pas mon numéro. Oui, tu oui, m'as demandé. Oui, j'ai demandé tout ça, machin. Je lui ai annoncé tout ça. Et de fil en aiguille, on va pas raconter tout dans les détails. On est déjà à 6 minutes de vidéo, frère. Je suis sûr, attends, déjà, toi là, avoue que t'en as marre. Fais pause sur la vidéo et dis-moi dans les commentaires. C'est hyper malaisant. Mais arrête de me dire que c'est hyper malaisant, je leur parle normal. C'est comme si on était en face de vous, c'est comme si on était en live en fait. D'ailleurs, on est tous les soirs en live à peu près à 21h. Donc à 21h, si tu sais pas quoi faire, au lieu de regarder ta vieille émission sur la télé, bah, tu viens de voir en live. Tout ça, tu connais. Après, bon, t'as pas bien le choix. Revenons à nos moutons. Donc, on était là tranquille. Et puis, de fil en aiguille, comme j'ai dit, on va pas tout raconter en détail. On s'est vraiment rapproché. Sa grosse scène, il m'a pris comme ça. Baba était pas bien, on va dire, mais on s'est vraiment rapproché, tu vois. Au début, on n'était pas en couple pendant pas mal de temps d'ailleurs. Ouais. Et puis après, on s'est mis en couple au fil du temps, tout ça, machin. On s'est vu, tout ça, elle a commencé. Moi, j'ai commencé par venir chez elle un week-end. Elle, pareil. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est mis ensemble, tout ça. On s'est pas mis ensemble. En gros, on se voyait. Oui, au tout départ. On était comme un couple, mais sans être en couple. Voilà. Au tout départ, on n'était pas un couple-couple, parce que moi, à l'époque, j'étais un chien, faut savoir. Ouais, t'étais un gros chien, sa mère. Un gros, gros chien. Bref. Qui te le dit que je le suis pas encore? Bref. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé après? Devine. La baise. Non, tu connais quand même. Je pense que ma communauté est assez mature. Tu es assez grand pour comprendre. Et du coup, voilà, pour vous raconter la petite histoire, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Après, dans les détails, les gars, clairement, je m'en souviens plus. Je me souviens même pas de quelle date on s'est mis ensemble. Quoi ? Je veux dire, tellement. Oh, quel point, je m'en bats les couilles. Non, je rigole. Ben, et c'est quoi alors ? Le 23, 12, 0. 0. Ouais, 2012. 2013. Ouais, 2012 c'était quand même il y a 5 ans, donc 2012 faut pas abuser quand même. Ouais. Bref, du coup, ce qui s'est fait, on a commencé à vraiment se voir, et puis d'année en année, enfin de mois en mois, on a commencé à de plus en plus se voir, vraiment, on allait tous les week-ends se voir, alors qu'au tout début c'était un week-end tous les mois, tu vois, même pas, tu vois, ouais, on est d'accord. Et ensuite on a commencé vraiment à beaucoup se voir, tout ça, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah! Non, vraiment, on a commencé à beaucoup se voir, et de plus en plus, c'est-à-dire on se voyait tous les week-ends, tout ça, machin, et ensuite, même maintenant, depuis quelques mois, on habite ensemble, carrément, bon, on est chez ma mère, tu vois, mais on habite ensemble, et ce depuis... C'est pas mal, en vrai, depuis septembre. Ouais, depuis septembre, donc là, tu fais le calcul, on est en avril, si la vidéo sort en avril, bon, on est le 11 avril, ça serait inquiétant si elle sort en avril. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Oh, ça fait 7 mois que je te supporte. Que je te supporte? Attends, enfin, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Dans la vie tous les jours. C'est différent. Honnêtement, ça nous a fait un choc. On est quand on habitait ensemble, tu vois, ça nous a fait un choc. Parce que, pas plus d'embrouille, on s'est pas plus embrouillé. Mais avant, tu sais, quand on est vraiment jeune, quand on a genre 16-17 ans, on est dans notre partie rebelle, tu vois, on s'embrouillait tout le temps. Ouais, alors que là, maintenant, tu vois, on est posé, tu vois. Moi j'ai 19 ans, elle a 18 ans. On est tranquille, en fait. Là, pour l'instant, on est posé, tu vois. Donc voilà. Est-ce que ça t'a plu? Ça t'a plu ou pas? Bon, écoute, maintenant, si tu veux un deuxième épisode de notre première fois, on sait pas de quoi on va parler, mais... Explique un petit peu le concept de la suite. En gros, oui, bon, on vous a pas expliqué, mais en gros, notre première fois, ça va être un thème de notre première fois, quoi. Genre, par exemple... Non, je vais pas donner d'exemple, je vais pas vous spoiler. Bref, notre première fois qu'on a fait quelque chose. Donc, du coup, si ça vous intéresse, commentaire, like, abonnement, notification... Et partage. Voilà, en tout cas, voilà les amis. J'espère que ça aura été assez intéressant pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés à nous qui ont besoin, on va dire, d'être plus proches de nous, de nous connaître mieux, tout ça ou quoi. Et là, voilà, on vous l'a raconté un petit peu en mode drôle, mais c'est en quelque sorte ça. Et j'espère que tout simplement ça vous plaît et que
et que voilà, c'est ça vous plaît ce genre de vidéo, en tout cas comme Baba l'a dit, si ça vous plaît ce genre de vidéo, vous likez tout ça, vous partagez, vous êtes présent de toute façon. Et puis voilà, moi je compte sur vous de toute façon. Et puis on se retrouve pour les prochaines vidéos les amis. Chaque fin de vidéo, n'hésitez pas d'activer la notification, ça c'est vraiment important pour ceux qui ne l'ont pas fait. Après, ça n'engage à rien la notification, croyez pas que... Enfin, ça n'engage à rien, vous recevez juste la notification. Les amis. Peut-être. Du coup voilà, on vous laisse là les amis, on vous dit peace. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.